Vous vous ennuyez chez vous? Vous ne savez pas quoi faire? L'Instant Coach vous a trouvé un passe-temps. Je vous ai préparé de nombreux exercices pour vous maintenir en forme sans sortir de chez vous. Aujourd'hui, nous allons exécuter des mountain climbers. C'est un mouvement qui permet de solliciter tout l'ensemble du corps. Donc de travailler les bras, les épaules, les abdos et les membres inférieurs. Et aussi de gagner en endurance cardiovasculaire. Pour effectuer cet exercice, il vous suffit de vous mettre en position de gainage, c'est-à-dire d'avoir vos épaules au-dessus de vos mains, d'accord, décoller vos genoux du sol et placez-vous en position de planche, donc de manière à avoir les épaules, les hanches et les chevilles bien alignées. Donc le but du jeu, ça va être de monter un genou après l'autre vers l'avant, en direction de vos poignets, d'accord, tout en stabilisant les abdos et en restant bien droit. Vous pouvez accélérer. Donc vous pouvez très bien rajouter une variante, c'est-à-dire vous croisez vos genoux, d'accord, les genoux en direction des poignets opposés, en gardant bien le bassin fixe et le dos bien droit. L'idéal pour les débutants, c'est de se redépart. 15 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Donc ça, on va le faire 3-4 fois d'affilée. À la fin de ces 3-4 fois d'affilée, vous allez prendre 2 minutes de récupération. Pour un niveau intermédiaire, vous allez effectuer 30 secondes d'effort avec 30 secondes de récupération. Pareil, 3-4 fois d'affilée sur 3 et 4 tours. Et enfin, pour les plus confirmés d'entre vous, l'idéal c'est de faire 30 secondes d'effort et 15 secondes de récupération. Ça, on va l'enchaîner 10 fois et 3 fois comme ça, c'est-à-dire 30 fois en tout. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des muscles à travailler en particulier, laissez-moi un petit commentaire et je m'occuperai de tout ça. En attendant, on se retrouve très prochainement dans un nouvel Instant Coach.